bon matin au lever du jour. Je m'envolerai. On a décidé de faire des capsules pour vous présenter les chansons de notre nouvel album. C'est sorti le 8 septembre dernier. Mm-hmm. Puis on travaille beaucoup, on est en tournée, fait qu'on n'avait même pas eu le temps de vous parler des chansons de cet album-là comme on avait fait avec Jolene and the Gambler. Donc, c'est ce qu'on va faire dans ces petites capsules-là, maison, bonne franquette, pour vous présenter et surtout vous dire pourquoi on a décidé de faire ce concept-là. Le Country de nos idoles, c'est un hommage à nos cowboys du Québec. Parce que Jolene and the Gambler, c'était hommage à Kenny Rogers et Dolly Parton. Yann et moi, on a beaucoup écouté de country en français, évidemment. Moi, j'ai grandi avec la musique de la famille d'Arèche. Et d'ailleurs, l'album ouvre avec une chanson qu'on a voulu faire pour rendre hommage à notre belle Julie d'Arèche. Pour un long voyage sans retour, je m'envolerai. En fait, la chanson « I'll fly away », « Je m'envolerai », la version de Julie, a été faite en 1932. C'est un hymne religieux à la base, cette chanson-là. Et moi, j'ai connu la version d'Alan Jackson. Il y a plein d'artistes aux États-Unis qui l'ont chantée dans différentes versions. Et ça a été la chanson la plus interprétée dans le gospel et le bluegrass, dans ces styles-là. Et nous, ben, c'est sûr qu'on a été marqués par celle de notre belle Julie. I'll fly away, all glory.